agréable. Chercher le parapluie, hein. Ouais, les... Voilà, les derniers qui arrivent. Ils seront un jour les premiers. La pluie a un peu cessé. On va peut-être pouvoir faire un petit briefing. Non. Ah ben parce que tu n'acceptes pas les notifications. Peut-être. Ah ouais, non, il y a des fois, attends, c'est toutes les 5 secondes. Et il veut te remettre sur l'autoroute alors que tu n'es pas là. Ah oui, vous suivez ça. Ah ouais, c'est bon. Même avec. Alors lui déjà, est bon, sortir, hein, oui, mon pompier, qu'est-ce que je te dis? Nous aussi, on est sous la pluie, il n'y a pas la pluie. Hein. Non, bah, ça va, les 3 gouttes, c'est bonjour. Bonjour. 3 gouttes, ça va pour le chien, c'est bon, titou. Oh là, j'ai pas familier, moi. Mais bon, ça, c'est ça. Magrina, donc vous êtes fini et Zizman il va directement là-bas. C'est bon, on est tous là, on peut y aller. T'as raison. Oui, j'ai besoin de dire un petit quelque chose. Ah bon, j'écoute d'abord alors. S'il vous plaît. Le très Saint-Père va vous faire son épître matinal. Bonjour. Bon, je vous remercie d'être tous là parce que si les conditions n'étaient pas terribles tout à l'heure. Ah non, c'est presque le beau temps, donc tant mieux. Sur le trajet, il y a un fabricant de fruits confits. C'est facultatif. Est-ce qu'on s'y arrête ou pas? Et si on s'y arrête, c'est un petit quart d'heure. C'est pour aller dans le magasin. Si vous, je sais qu'il y a des gourmands souvent.
Ah bon, les fruits confits. Ah, on parle de fruits confits. Ah, très bien. Non, parce j'ai que pas c'est entendu. Oui, il y a un. Fabricant de fruits confits. D'accord. On a le temps de s'arrêter, mais pas plus d'un quart d'heure. D'accord. Tu peux essayer de s'arrêter. Oui, oui, oui. Oui, quand même. Oui. Ça fera du bien. Tout le monde a dit. Allez, on s'arrête. Donc c'est bon. En route doucement, vous avez la pluie. Ah, oui, oui, les virages, il faut. Hop, hop, hop. Allez, bon, ben. On embarque et on y va. Je vais dégager. Allez, bon, ben, on embarque et on y va. Je vais dégager. C'est pas sérieux. Alors, je vous rappelle que j'ai changé de voiture, mais j'ai remis le klaxon. Ah, il n'est pas tout à fait aussi bien. Ça, c'est bien dommage. Voilà, mais bon, merci de nous aider. On n'avait pas avant. Mais on ne prendra pas de risque quand même. Vous arrivez juste au bon moment. Il n'y en a plus qu'un. Et le départ est donné à 9h40. Avec un petit peu de retard, mais compte tenu des événements, c'est magnifique. Le départ est donné à 9h40. Avec un petit peu de retard, mais compte tenu des événements, c'est magnifique. Perdu.
Madeleine en action sous la pluie.
chez le rocher. Thank you.
Bercy. À l'heure, mais c'est pas grave. Problème de Neyman qui s'est bloqué ou qui a été débloqué, on sait pas trop, mais on essaye de trouver la solution. Tout le monde est autour et le sujet est encore vivant. C'est bon, attends, on va faire. Attends. Jean-Pierre, c'est bon, hein, je l'ai eu. Alors, on va rentrer vers le port de la mal au Seine. C'est le blanc, hein? On pensait que c'était le blanc. Moi j'ai toutes les pièces, mais voilà, quand mon embrayage m'a lâché, c'est Michel qui m'a réparé, parce que trop mal la voiture est restée là. Ah ben, c'est moi, un tournevis sur la main, il est bien heureux. Moi j'ai l'embrayé. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Mmh.
Allez-y, merci bien, merci à vous. Vers Vaison-la-Romaine ? Voilà. Ok, bravo. Et après ? Bon, on va pas jusqu'à ce Vaison-la-Romaine, là. Alors, la D40. On est sur la D40.
rappelle là. J'ai regardé s'il n'y avait pas de fuite, rien, j'ai regardé sous la voiture. Après une matinée délicate, dirons-nous, avec beaucoup de péripéties, on a réussi à arriver au restaurant Les Cèdres et on espère que la suite va se passer très très bien. Après cette séquence, nous arriverons à la fin de l'arc de rebours et nous reprendrons chacun le chemin de nos maisons respectives. A très bientôt sur les routes. En triomphe. Un Jack, je sais pas. Enfin, c'est quoi, rosé et blanc? Rosé et rouge. Ah. Alors, on peut faire la charcuterie en apéro. Même le samoussa, tu vois, j'ai préféré ne pas aimer, moi. Mais je me suis régalée. Thank you.